Salut à tous et bienvenue à ce message en ligne. À toi qui se joins à nous, qui n'a pas pu être présent à l'une de nos églises, à toi qui es curieux, à toi qui nous suit l'Église Le Portail sur les réseaux, sur YouTube. Alors bienvenue à tous et surtout un bienvenue plus particulièrement à notre Église d'Abitibi qui se joint à nous pour ce message. Mon nom est Maxime Desormeaux, je suis le pasteur à l'Église Le Portail de Terrebonne et c'est un réel Plaisir pour moi d'apporter le message euh, aujourd'hui. Et euh, j'aimerais commencer en te rappelant ce doux souvenir, ce joyeux souvenir d'un moment bien précis. Te rappelles-tu de cette joie que nous avions, ou que tu as même, lorsque tu reçois une lettre par la poste? Hein? Est-ce que ça t'est arrivé dernièrement de, de recevoir une lettre, d'ouvrir ta boîte à mal, recevoir une lettre écrite à la main? Il hein? y a des ados, tu écoutes, tu es comme une lettre par la poste? <laughs> Qu'est-ce que c'est? Et, et on reçoit beaucoup de courriels, on reçoit des spams, on reçoit toutes sortes de choses, mais il euh, arrive un moment où que tu t'arrêtes à ta boîte aux lettres devant chez toi, ou peu importe où, puis tu ouvres ta boîte aux lettres, tu prends la pile de publicité on ça dans le recyclage comme on le fait toute la même chose on fait toute la même chose et, euh, mais il y a une lettre il y en a une tu remarques elle attire ton attention elle était adressée à ton nom et elle est écrite à la main ça arrive jamais ou rarement c'est précieux et de la même manière nous avons reçu une lettre écrite pour nous pour toi, il y a 2000 ans, écrite par un leader reconnu qui s'appelle Pierre, un apôtre, qui a écrit à plusieurs églises okay, en Asie mineure. C'est comme s'il si écrivait une lettre à plusieurs églises, à, à l'église Le Portail de Laval, de Terbonne, de Saint-Eustache, d'Abitibi. Et la lettre se promène dans ces églises-là. Et cette lettre-là contient un message puissant venant de Dieu. Nous ne voulons pas le mettre au recyclage. Au contraire, pour nous encore aujourd'hui, Aujourd'hui, nous voulons la chérir les croyants et les chrétiens veulent chérir la lettre de un pierre à laquelle on va s'attarder aujourd'hui pour ce message au travers de cette série qui s'intitule étrangers et voyageurs effectivement dès le verset 1 pierre s'adresse et écrit à des gens qui se disent étrangers et voyageurs étrangers sur cette terre Voyageurs en tant que chrétiens sur cette terre, nous ne sommes pas des touristes. Je le rappelle, nous ne sommes pas des touristes. C'est quoi un touriste C'est quelqu'un qui voyage et fait une visite rapide dans un pays. Il est pas vraiment concerné, il va pas vraiment s'établir ou connecter profondément avec les gens. Il est là de passage. Et il y a parfois trop de chrétiens qui sont qui sont de passage sur cette terre, mais qui sont séparés de ce monde séparés, on se dit, oh, on est là vite, vite, on est séparés, on n'aime pas d'amis non-croyants et tout ça. Nous ne voulons pas être de ces amis, de ces chrétiens touristes. Nous ne voulons pas non plus être des immigrants spirituels. C'est-à-dire des immigrants, c'est quoi C'est des gens qui euh, trouvent une nouvelle installation d'une manière permanente. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui sont obsédés par les ressources et les richesses de ce monde, par la réputation qu'ils ont auprès de ce monde. Ça les stresse. Mais nous ne sommes pas stressés par ce monde. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas ni touristes ni immigrants, mais plutôt étrangers. Qu'est-ce qu'un étranger C'est quelqu'un qui est temporairement, temporairement localisé ailleurs. On va donc s'investir, mais on attend notre vraie maison céleste. On va vivre intentionnellement dans ce monde, mais en même temps, on ne va pas y être trop attaché. On est en mission, les mains là, les, les pieds sur cette terre, mais notre cœur est dans le royaume des cieux. Parce qu'effectivement, le chrétien appartient à un autre royaume au royaume de Jésus. Et l'image que je rappelle pour cette série qui, qui résume très bien qu'est-ce qu qu'un étranger voyageur, c'est comme lorsque tu vas à l'aéroport prendre un avion et lorsque tu passes les portes, les gates, hein, les portes de sécurité, tu arrives comme dans un, un monde parallèle. Tu es comme entre deux. Tout le stress de la maison, le stress des choses, c'est derrière toi. De passer les portes de sécurité, le stress d'arriver à l'heure, d'être accepté, de pouvoir prendre l'avion, de tout, tout ça est derrière toi. Tu peux maintenant te promener à l'aéroport. As-tu remarqué, tu peux être très confortable. Tu peux même passer plusieurs jours à l'aéroport. Il y a tout pour que tu sois confortable. Il y a des restaurants, tu peux aller magasiner, tu peux faire une petite carte postale comme notre visuel étranger voyageur. Il y a du Wi-Fi, tu peux faire tes siestes. Il y a toutes sortes. Tout est là. Mais as-tu remarqué, par exemple, il n'y a pas de carrosse pour que tu puisses faire ton épicerie. Tu peux y être. Mais en même temps, tu sais que tu es un étranger, tu es entre deux. Et de la même manière, le chrétien, nous vivons comme entre deux sur cette terre, nous vivons dans ce monde, mais en tant qu'étranger. Et c'est pourquoi le chrétien va être différent. Le chrétien va être différent dans son langage, dans ses valeurs, dans sa façon de faire, dans ses réflexions même. Tu devrais, en fait, même, tu devrais t'attendre à être différent. Parce que la base de tout, on l'a vu la semaine dernière, ton salut est différent. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là, cette grâce-là, nous amène une nouvelle naissance, et par la suite, nous amène à joindre une nouvelle famille, un nouveau peuple. C'est le titre du message de ce matin. Nous sommes un peuple différent. On va découvrir ça en 1 Pierre chapitre 1 dès le verset 13 et on s'y plonge ensemble. Verset 13 commence en disant ⁇ C'est pourquoi ⁇ et je m'arrête déjà. C'est pourquoi Simplement, il vient juste de parler du salut en Jésus et il enchaîne à dire à cause du salut, c'est pourquoi, à cause du salut, il va développer par la suite sur les fruits de cette nouvelle naissance. Comme quoi, le, on va le voir ensemble, le chrétien et le croyant vivent différemment, ont un, un autre comportement. Mais tout ça est basé sur d'abord notre foi en Jésus. Et trop souvent, on tente et on travaille pour changer le comportement. Alors que d'abord et avant tout, le cœur doit être changé. On en parle souvent. Notre cœur doit être changé et notre cœur va provoquer un nouveau comportement. C'est ce qu'on veut toujours faire avec nos enfants. On veut qu'ils changent un comportement, on veut changer le comportement, qu'ils aient un comportement même chrétien. Mais nos enfants ont d'abord et avant tout besoin d'un changement de cœur. Ils ont besoin de Jésus, que Jésus transforme leur cœur et ainsi ils vont adopter un nouveau comportement. Plusieurs gens, tu as vécu cette réalité ou ce que tu as grandi dans une église, une église moraliste. Ou ce qu'on te dit toute ton enfance, toute ton adolescence, fais pas ci, fais pas ça, dis pas ci, dis pas ça. Puis on t'a rarement parlé du cœur. La transformation d'abord et avant tout de ton cœur, que Jésus transforme nos cœurs. Et c'est comme si tu étais dans une maison, dans ta maison, puis là, tout à coup, il y a de la fumée partout. Et là, tu dis OK, tout le monde, on ouvre les fenêtres, baisser les fenêtres, on va essayer de chasser, on va chasser la fumée. Mon ami, c'est une bonne chose, mais d'abord et avant tout, regarde où est la source de ce problème-là. Est-ce qu'il y a un feu dans ta maison? Puis si oui, mais va éteindre le feu d'abord et avant tout. Et trop de gens, justement, on ne prend pas la source du problème qui est le cœur, puis on s'attarde juste à, à changer le comportement, mais sans qu'il y ait un changement de cœur profond opéré par Jésus-Christ. Donc, d'abord, Pierre a établi notre salut, notre changement de cœur qui est fait en Jésus. Et ensuite de ça, verset 13, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'écriture: Soyez saints, car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps que vous restez à traverser dans ce monde, donc en tant qu'étranger voyageur, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Pierre va, tout au long de son, sa lettre, faire beaucoup de références à des textes de l'Ancien Testament qui étaient pour le peuple juif. Par exemple, ici, Soyez saints car je suis saint, fait référence à Lévitique chapitre 11, verset 44. Mais là, il va l'appliquer envers des chrétiens non-juifs. Et c'est pourquoi on peut s'approprier cette lettre, nous encore aujourd'hui, parce que la vérité demeure. Il va dire à, à ces chrétiens, Tenez votre esprit en éveil. Tenez votre esprit euh, un peu sur ses gardes. Littéralement, le texte original, c'est euh, porte, fait allusion à porter sa ceinture. C'est intéressant parce que tout ça fait allusion à Exode chapitre 12, au verset 11, où ce qu'on se rappelle, Exode chapitre 12, c'est la Pâque. Et, et Dieu euh, avait dit Voici, vous allez être ensemble, mais je m'apprête à vous libérer d'Égypte, de l'esclavage. Alors, alors que vous mangez, euh, portez votre ceinture. Pourquoi? Parce que les hommes à l'époque portaient des robes. Et normalement, ils n'avaient pas de ceinture. Mais s'ils s'apprêtaient à courir ou à faire une marche, là, ils portaient la ceinture pour pas que la robe soit dans leurs jambes. Alors, ils portaient la ceinture. Et de la même manière, en fait, ce que ce texte-là est en train de dire, c'est ⁇ Porte ta ceinture, sois prête, sois vigilant, tenez votre esprit en éveil. La première marque du peuple de Dieu, du peuple différent, c'est un peuple qui est focus. Un peuple qui est prêt, qui est aux aguets, qui tient son esprit en éveil, ça nous dit ne laissez pas, ne vous laissez pas distraire. Tu sais, on en a été entre vous et moi, là, souvent, nos pensées divaguent. Même en ce moment, ça fait, ça fait quelques minutes que je prêche, puis tu es déjà en train de penser aux tâches que tu as à faire cet après-midi ou durant la journée. Euh, tu penses à ton repas, tu penses à, à changer la décoration de l'environnement ou ce que tu écoutes ton, ce message. Peut-être même certains étaient en train de t'endormir. On est souvent distrait. Quelle est et, et, l'une des plus grandes distractions que nous avons? Hein, certains vont dire, c'est ma femme, c'est mes enfants. Oui, c'est vrai que c'est une grande distraction, mais une des plus grandes distractions qu'on a, c'est nos cellulaires, nos téléphones. Ah, on est là et on est toujours en train de l'avoir dans nos mains, on est toujours en train de l'avoir. Nos doigts glissent naturellement et naturellement, non, notre pouce sait exactement où aller pour aller sur les réseaux sociaux, être distrait et distrait et distrait encore combien de parents sont sur le divan, puis, puis écoutent ou niaisent sur les réseaux sociaux en ayant une, une, une pollution intellectuelle, alors que tes enfants, la famille est autour, puis même ta fille, elle essaie d'avoir ton attention. Ça nous est tous déjà arrivé, je suis dans le même bateau que vous, là. Mais on est distrait. On, 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 on scroll, on descend, on descend, puis à un moment donné, on arrive sur... On ne regarde rien finalement. Pis des fois, il y a des petites choses qui attirent notre, notre attention. Un petit vidéo oh, qui dure quatre secondes. Parce que s'il est plus long que ça, eh. pourtant, c'était très intelligent ce qui se disait sur ce vidéo. C'était très intéressant, très profond, mais ah, c'est trop long. Swipe, swipe, scroll. On change. Est-ce que ça se pourrait que Dieu nous amène à être moins distrait? Qu'est-ce qui te distrait dans ta vie? Nos là est un exemple bien, bien, bien ludique. Et des gens, tu es distrait peut-être par une nouvelle relation que tu le sais au fond de toi-même qui n'est pas bonne. Il y a des gens, tu es distrait par la pornographie. tu es complaisant là-dedans. Des gens, c'est des actions, peut-être dans ton travail, des choses que tu fais qui ne sont pas éthiques. Pierre nous rappelle. Le peuple de Dieu est un peuple focus, qui a l'esprit éveillé, qui n'est pas distrait. Et encore une fois, si on est honnête, parfois on roule juste sur le pilote automatique. C'est comprenable parce qu'il y a tellement de choses. La vie va tellement vite, la routine est tellement déjà lourde. On a tellement de choses à penser, puis on arrive des fois chez nous, puis on ne veut juste pas réfléchir plus qu'il faut. Puis dans notre routine, dans le go-go-go, on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qui se passe autour de nous, à se poser la question, qu'est-ce que Dieu dit à ce propos Qu'est-ce que Dieu enseigne sur cela On ne se pose pas de questions, on laisse les choses aller. Et parfois même on tombe dans le même, le déni. On, non seulement on n'y pense pas, mais on ne veut pas y penser. Pierre dit garde ton esprit éveillé, vif, focus. Il y a des parents. En ce moment, tes enfants, peut-être même tes ados, sont à l'âge d'avoir de bonnes discussions avec toi sur la sexualité. Tu devrais aborder des sujets avec eux. Tu devrais aborder justement la foi aussi avec eux. D'une manière tellement vraie, profonde, un changement de cœur opéré, la bonne nouvelle de Jésus, tu devrais parler de ça avec tes enfants. Mais, ah! Oh. C'est compliqué, je ne sais pas trop comment m'y prendre, je ne sais pas c'est quoi les. comment répondre à ces questions. faudrait je lise sur le sujet, faudrait je faudrait je prenne le temps de. Mais là, c'est pas le temps soir. soi. On manque de focus. On est distrait. Ton couple, il y a des gens, ton couple ne va pas bien. Mais tu restes dans le déni. Tu te dis Ah, ben c'est pas grave, on se chicane pas tant que ça. Oui, mais vous vivez comme des colocataires. Communique, règle les choses, parlez-vous. Il y a des gens dans ta foi, tu t'es éloigné. Puis tu te laisses tranquillement glisser. Non, focus. Reviens à Christ. Reviens à Dieu. Reviens à sa parole. Ne laisse pas les distractions. Et, et, et il y a des, des fois cette distraction aussi de, de cette, qui amène cette pression de se conformer d'être comme le peuple, alors que nous sommes étrangers. Mais nous voulons être comme tous, suivre les idéologies, les pensées de tous. Et soit d'un côté, on a cette pression de se conformer, soit d'un côté, à, à juste ne pas faire de vagues, penser comme on pense la majorité, ou sinon, faire des vagues, oh, on va se protester, puis on va voir. Faire... Puis rapidement, il y a cette pression-là de penser d'une manière ou de l'autre. Joins mon équipe, fais comme moi, dis comme moi, pense comme moi. Est-ce que tu es pour ou contre? Tu dans quelle équipe? Puis Pierre s'attarde et dit: Ne sois pas distrait par toutes les choses de ce monde, ne te conforme pas, n'accepte pas, focus sur Jésus. Vous savez, dans ma famille, il y a euh, euh, une blague qui revient souvent, une histoire qu'on aime, euh, qu'on se plaît de se rappeler pour rire. Euh, mon père a déjà pris un. Euh, a déjà eu un accident de voiture euh, assez petit, là, un petit accident, mais quand même. Euh, et sa voiture a juste rentré dans le derrière de l'autre voiture qui était en avant de lui. Et, et la raison pour laquelle il a causé cet accident, c'est parce que alors qu'il conduisait sur un boulevard, il a été distrait par un moustique qui est rentré dans la voiture, puis il cherchait à tuer la mouche, tuer le moustique. Et distrait, il a foncé dans la voiture en aval. <laughs> Vous savez, ce monde nous envoie une multitude de moustiques pour nous distraire, mais nous voulons être un peuple focus. Est-ce que je peux entendre en à ça? Un peuple focus, comme des enfants obéissants, le texte nous dit. Vous savez, c'est drôle comment on aime tous le passage, « Enfants, obéissez à vos parents hein, ». Tout le monde aime ce passage-là, on aime ça le citer, on aimerait tant ça qu'il soit obéi, qu'il soit, qu soit appliqué. Chaque jour, moi, c'est la bataille en ce moment avec mon fils sur l'habillement le matin avant d'aller à l'école. Mon gars ne veut pas mettre son manteau. « Oh, il fait chaud j'ai tout le temps chaud, pourquoi je devrais mettre, pourquoi il faut que je mette un manteau? » Et la réponse et l'explication est toujours la même. Mon ami, parce qu'on est au Québec et il fait fret, Ok, <laughs> il fait juste froid, on est encore au printemps. Alors mon fils le porte peut-être par soumission, obéissance. J'aime croire qu'il ne l'enlève pas rendu à l'école. <laughs> Je ne sais pas. Mais vous savez, on aime ça lorsque nos enfants nous obéissent. Et pourtant, nous, est-ce que nous obéissons à notre père Vous savez, obéir, c'est de faire une action, peu importe qu'on l'aime ou pas. Et parfois, obéir, ça peut être très facile lorsqu'on est d'accord avec l'action qui est demandée. Mais parfois, ça peut être très difficile. Alors, je nous pose la question, c'est quand la dernière fois que tu as ressenti que Dieu te demandait de faire quelque chose de difficile? Peut-être que Dieu t'a parlé par son esprit dans ton cœur concernant ta générosité. Concernant tes disciplines, la prière, la parole, le jeûne. C'est quand la dernière fois que Dieu t'a demandé de faire quelque chose de difficile, peut-être que c'était de témoigner, peut-être c'était concernant une relation, peut-être c'est concernant un péché que tu as cessé de lutter. Puis la question qui suit, c'est, est-ce que tu as obéi à Dieu? Est-ce que tu as obéi comme un enfant à son père? Il poursuit en disant Vous serez saints car je suis saint. Vous savez, la, la sainteté de Dieu est, est l'attribut le plus précieux, le plus mystérieux. Ça reflète sa perfection et sa droiture. Être saint veut littéralement être, dire être mis à part. Pour le peuple juif, ça voulait dire d'être détaché de l'idolâtrie et des pratiques immorales des autres nations. En d'autres mots, c'est d'être différent, d'être étrange. Alors, en tant que peuple, focus, es-tu différent? Est-ce que tu es différent? Et si tu ne l'es pas, peut-être tu devrais te poser des questions. Parce que le chrétien est remarqué un jour ou l'autre. Si ça fait dix ans que tu as les mêmes amis, si ça fait dix ans que tu es au même travail, avec les mêmes collègues, si ça fait dix ans que tu es dans le même voisinage et que t es, t es, t es, les gens qui t'entourent, ces gens-là, n'ont pas remarqué que tu étais étrange, différent, il y a un problème. Parce que être chrétien, c'est d'être étranger. C'est comme mes amis euh, qui sont français, qui viennent de France. Ça fait dix ans qu'ils habitent au Québec et même plus. Des fois, je jase avec certains d'entre des fois, je jase avec, avec des amis, Seb Korn ou, ou Ben. Dernièrement, je parlé à Ben Lutten. Et, et ça fait des années, il connaît toutes les expressions québécoises, il en dit, il, il parle comme un Québécois, mais l'accent reste. Mon ami, on te reconnaît pareil. Je sais encore aujourd'hui que oui, tu viens de France. Pourquoi? Parce que ton accent détonne et de la même manière, même ça fait des années que tu es chrétien, ça devrait toujours détonner avec ce monde parce que tu es un étranger, un étranger, un peuple différent qui marche dans la sanctification, qui marche focus et ça, ça se fait par la grâce et la puissance de Dieu et ça l'apporte une liberté. C'est ce que verset 18 nous dit. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non non, comment on a été libéré Ça a coûté combien cette affaire-là pour qu'on soit libéré en tant que peuple de Dieu Voici verset 19. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Pierre encore une fois rappelle des images de l'Ancien Testament, il rappelle la Pâque de Exode chapitre 12 là où ce qu'on voit l'agneau justement qui est sacrifié et jusqu'au chapitre 15 où ce qu'on voit la libération du peuple juif de l'esclavage en Égypte. Et Pierre est en train de dire voici à cause de Jésus il est cet agneau et nous sommes en train de vivre une nouvelle Exode. Nous sommes un peuple libre en Jésus à cause du sacrifice à la croix pour nos péchés. Et il y a trop de chrétiens qui vivent encore avec des chaînes les, chaînes, les chaînes de ton ancienne vie. Et Pierre dit Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre. Il nous le rappelle, mais pourtant, c'est difficile. Et plusieurs chrétiens, tu vis encore avec les chaînes de tes dépendances, les chaînes de, tes, de ton passé, les chaînes de, de ces mauvais comportements qui sont récurrents les chaînes de ces failles de caractère, les chaînes de tes habitudes mortelles, les chaînes de ton ancienne identité. Et trop de gens vivent comme des prisonniers qui veulent rester au cachot. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, Jésus te dit sors du cachot, sors tu es libre en Jésus. Ne reste pas avec ces chaînes là. C'est ce qui nous différencie. Un peuple focus, un peuple libre en Jésus. Quoi d'autre? Quoi d'autre nous différencie? Verset 22. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns et les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, une, donc une nouvelle naissance, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs, l'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Encore une fois, Pierre rappelle la bonne nouvelle de Jésus qui nous dépose un amour. Parfait, qui nous purifie, hein, un peu comme le ménage du printemps qu'on fait de ce temps qui nous purifie, qui nous lave. Jésus purifie notre âme et nous amène à aimer les autres. C'est la troisième marque. Nous sommes donc un peuple qui aime. Un peuple qui aime. Nous, nous, en tant que peuple de Dieu, nous recherchons donc la paix avec tous. Il fait le lien avec la bonne nouvelle. Hein? Nous recherchons la paix avec tous. Pourquoi Parce qu'un jour nous étions en guerre, en guerre avec Dieu. Nous étions rebelles et contre lui. Que tu le veuilles ou pas, tu étais contre Dieu. Mais il a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui, pour nous amener la paix entre l'être humain qui met sa foi en Jésus et Dieu. Dieu le Père. Et c'est pourquoi nous recherchons la paix avec tous. Nous faisons grâce, nous pardonnons. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le pardon de Dieu. Nous sommes patients avec les autres. Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus est tellement patient avec nous. On n'utilise pas nos relations pour nos propres besoins. Pourquoi? Parce que Jésus ne nous a pas utilisés pour lui. Non, il nous a juste aimés par grâce. Il n'a a pas agi envers nous parce qu'on a été bon ou parce qu'on lui a apporté quelque chose. Non, c'est de la pure grâce. Et c'est de la même manière, ça se reflète maintenant dans nos relations. Nous sommes donc libérés de notre besoin de plaire à tous, d'être reconnus par tous. Pourquoi? Parce que Jésus me suffit, parce que Jésus me donne l'attention, toute l'attention et tout l'amour que j'ai besoin. J'ai plus besoin d'être le meilleur pour me valoriser, puis être en compétition avec les autres, puis un peu écraser les autres. Pourquoi Parce que Jésus est le meilleur. Parce que Jésus n'a pas besoin de ma performance. Parce que je sais que j'ai de la valeur. Je sais que j'ai pas besoin d'être le numéro un pour le prouver. Christ m'aime tellement qu'il est mort pour moi, sans même que je lui prouve que je te si pire que ça. Il est mort pour moi. Et tout ça, cet amour-là, la bonne nouvelle de Jésus, nous amène donc à être un peuple qui aime, à aimer en pensée, en action, en parole Jésus. Et tout ça parce que Jésus m'a aimé le premier. Vous savez, à, à l'approche d'une pluie, d'une tempête, alors qu'il y a du tonnerre, les vaches vont entendre ça dans les champs. Et la réaction des vaches, ça va être de se disperser, d'essayer de se cacher. À l'opposé, les buffles, je sais pas si c'est les bisons ou les boeufs aussi sont dans la même gang là, mais les buffles, en tout cas, vont avoir la, la, la réaction elle de, de se rassembler en troupeau et de carrément foncer vers la pluie. C'est vrai là. Et à chaque fois que ça arrive, moi, j'imagine les vaches. Ils se dire, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont bien fous de foncer vers la pluie. <laughs> Mais finalement, les vaches, elles, vont être seules dans les champs mouillés et le troupeau de buffles, lui, va avoir trois avantages. Premièrement, la tempête va être moins longue parce qu'ils vont l'affronter, ils vont passer et marcher au travers celle-ci. Deuxièmement, ça va leur offrir une protection supplémentaire. Il y a moins de pluie qui tombe sur eux parce qu'ils sont en troupeau. Et troisièmement, leur fourrure va leur donner une chaleur. Mes amis, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes comme ce troupeau de buffles. Okay? Tourne-toi vers ton voisin en habit B. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, nous sommes comme ce troupeau de buffles. Okay? Nous sommes ce troupeau de buffles. Dis-lui pas, euh, dis pas tu as une tête de bœuf, ça c'est pas la même chose, pas la même chose, ok? <laughs> Troupeau de bœufs. Pourquoi? Nous sommes un peuple différent parce que le monde, lui, se disperse. Le monde passe leur temps à se disperser dans différentes pensées, mais les chrétiens, eux, se rassemblent s'uniste S'unissent sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils se rassemblent semaine après semaine. Et pourquoi? Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait les trois mêmes avantages. Alors qu'on se rassemble, nous pouvons ensemble traverser au travers les épreuves, au travers les tempêtes Ensemble. La deuxième chose, ça nous protège les uns et les autres. Pourquoi? Ça nous protège des découragements. Ça nous protège des mauvaises idéologies. Et troisième aspect, c'est que ça, la, ça nous donne une chaleur. La chaleur de son esprit, de Dieu qui agit au milieu de son son peuple, de Dieu qui qui nous réchauffe, qui réchauffe notre âme, qui dépose un feu, une zèle, une passion pour Jésus. Oh, Amen. Un peuple qui aime, c'est différent. Quatrième différence de ce peuple, chapitre 2, verset 1. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse. L'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le, le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Et puis, est-ce que vous êtes, vous aussi, des pierres vivantes? Édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Il cite encore une fois, il cite des passages de l'Ancien Testament en Ésaïe. Pour vous donc qui croyez, l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice, une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux il tombe à cause de cette pierre. L'apôtre Pierre va, va nous rappeler un peu comme c'est mentionné depuis le début rejeter rejeter la méchanceté, la ruse, l'hypocrisie, la jalousie, médisance, désire la, la parole de Dieu. Approchez-vous, il va donner cette image d'une pierre sur laquelle on peut bâtir puis il dit cette pierre c'est Jésus, Bâti sur Jésus. Nous sommes appelés à être un peuple fondé sur Jésus. Et tu dois comprendre que la construction à l'époque, et même encore aujourd'hui, la, la pierre, la première pierre, la plus importante, on la positionnait, on a, prenait le temps de bien réfléchir où ce qu'on allait la positionner, comment elle allait être positionnée. Pourquoi Parce que ça allait être la pierre angulaire sur laquelle toute la construction allait reposer. Quelle est ta pierre angulaire Sur quoi tu bâtis ta vie vous savez, des fois, je discute avec des jeunes adultes, puis il y en a tellement qui disent, ah ben, je veux bien me positionner dans la vie, je veux me positionner, je veux à la maison, il faut que je positionne à la maison, il faut que je finisse les études avant ci, avant ça, puis... Ok, c'est toutes des bonnes choses, mais la meilleure chose à positionner, c'est ta fondation. Que fais-tu de Jésus? Et plus tu veux bâtir quelque chose de gros, de grand, de solide, plus ta fondation doit être solide. Il n'y a rien de plus solide que Jésus-Christ. Et souvent, je vois des gens qui décident de bâtir sur toutes sortes de choses, et ça ressemble à ça. Un petit minuscule bloc lego. Alors que tu devrais plutôt fonder ta vie sur Jésus-Christ. Une bonne fondation sur laquelle tu peux bâtir plusieurs choses, une fondation solide. Tu es appelé à bâtir quelque chose de solide. Et ta fondation doit être sur Jésus-Christ, le roc. Si tu vas aujourd'hui en visite, par exemple, à, à Jérusalem, et que tu visites le temple de Jérusalem qui a été détruit et ravagé à l'an 70, la seule chose qui reste de ce temple, c'est la fondation. Tu peux aller en Israël et voir, et, et, et c'est la même chose pour des temples grecs et des temples de toutes sortes de, 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 à toutes sortes d'endroits dans le monde. La chose qui reste, c'est souvent juste la fondation. Lorsque Jésus est ta fondation, elle reste parce que Jésus est éternel. Quelle est ta fondation? Vers quoi te tournes-tu quand tout semble s'écrouler? Quand toute ta vie semble s'écrouler, vers quoi tu te tournes? Est-ce que c'est vers ton, ton couple, ta famille, puis tu te dis ah, En famille, on va passer au travers de ça C'est bien. Mais tu tournes vers tes finances. Tu te dis Ah, c'est correct, ça va, on va passer au travers, j'avais des bonnes économies, on va passer au travers. Tu tournes vers tes dons, tes talents, tes capacités. Je suis correct, je vais m'en sortir je suis résilient. J'aimerais dire que c'est si la pierre angulaire... S'effrite, se détruit, se casse, toute la construction est en péril. Jésus ne s'effritera pas. <laughs> Jésus ne s'éteindra pas, ne sera jamais détruit. Il est une fondation solide et sûre. Alors arrête de bâtir sur autre chose. Arrête de bâtir sur autre chose, puis de demander à juste, Dieu bénisse ce que je bâtis. On fait souvent ça, on fait tellement trop souvent ça. Seigneur, bénis ce que moi je fais, bénis mes projets. Tu sais quand la dernière fois tu t'es posé la question, est-ce que c'est vraiment les projets de Dieu? Est-ce que ma vie est fondée d'abord et avant tout sur Christ et que j'obéis à sa parole, j'obéis à ce qu'il veut que je fasse et je discerne et je cherche la volonté de Dieu pour ma vie et c'est ce que je suis en train de bâtir par la grâce, la toute-puissance de Dieu parce que moi je n'y arriverais pas par mes propres forces. Ça devrait plutôt rassembler à ça, notre vie chrétienne. On arrive à notre dernier passage pour cette matinée ou pour cette, ce message. Dernier passage qui nous décrit le peuple de Dieu. Voici, voici qui nous sommes. Nous sommes un peuple différent. Voici, nous sommes le peuple de Dieu. Verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte. On voit tout ça, si tu prends des notes, tu peux retrouver toute la référence et à quoi ça fait référence en Exode chapitre 19 verset 4 à 6. Okay? Un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut, bien haut, les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes maintenant, à présent, l'objet de sa grâce. Nous sommes le peuple de Dieu. Peut-être des gens, tu, tu m'écoutes aujourd'hui et tu aimerais ça faire partie de son peuple, de sa famille. Peut-être que tu n'as jamais reçu, été au bénéfice de la grâce de Dieu. Puis tu m'écoutes parler et tu te dis J'aimerais ça être l'objet de sa grâce, l'objet, être le détenteur de sa grâce, de son amour. C'est très simple. Là où tu es, tu peux simplement arrêter ce message dès maintenant et dire Jésus, me voici, change mon cœur. Change mon cœur. Je t'avouerai que. Je n'ai jamais entendu de chrétien dire que suivre Jésus était sa pire décision. Honnêtement, je n'ai jamais entendu un chrétien dire, venir un dimanche matin à l'église et me dire Max, suivre Jésus, faire partie de ce peuple de Dieu, pire décision ever. <laughs> non. Peut-être que parfois c'est difficile, oui, parce que nous sommes étrangers, mais, mais comparé, à, à cette, comparé à recevoir son amour, sa grâce, de vivre sa paix, sa joie et surtout cette espérance éternelle que nous avons en Jésus, il n'y a personne qui regrette ça. Alors ce matin, tu peux commencer à faire partie du peuple de Dieu, simplement en disant. Seigneur, je change mon cœur. Et il y a d'autres personnes, tu nous écoutes aujourd'hui, puis euh, tu fais partie du peuple de Dieu, un peu partout. Mais j'aimerais t'inviter à, à te rassembler, à te rassembler d'une manière locale, à te joindre à une église, officiellement, là, à vraiment te joindre à une église, comme régulièrement, pour que tu puisses prendre soin pour que tu puisses aimer les uns les autres, et pour que des gens puissent prendre soin de toi aussi. Ne sois pas une vache dans ton coin. Viens, rassemble le troupeau. Nous sommes appelés à être un peuple différent. Prions ensemble. Père éternel, je prie pour ces gens qui veulent faire ce pas de foi, de mettre leur confiance en toi, qui reconnaissent qu'ils appartenaient à un peuple sans toi, rebelles, loin de toi, mais qui aujourd'hui sont interpellés, tu les interpelles, à venir à toi, Jésus. Je prie pour ces gens que cette semence qui est dans leur cœur puisse continuer de s'enraciner et que tu puisses te révéler à eux. Je prie aussi pour tous les croyants qui écoutent ce message, que tu puisses nous amener à être un peuple qui est focus. Un peuple qui euh, n'est pas distrait, qui a l'esprit éveillé, un peuple qui obéit comme des enfants, un peuple qui est saint, car tu es saint. Et qui, euh, et, et qui s'accapare de la liberté que nous avons en Jésus. Je prie aussi pour que, en tant que peuple de Dieu, nous puissions aimer, s'aimer les uns les autres, aimer aussi notre monde ton amour que tu as déposé en nous puisse déborder sur tous et chacun que nous côtoyons. Et finalement, que nous puissions quotidiennement et toujours bâtir et fonder notre vie sur Jésus-Christ. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen.